C'est normal. Oui, c'est normal, j'ai changé. Bon, on a commencé. Bonjour, je suis ici avec Nicolas Olshankan et on va parler sur l'histoire émigration polonaise en France. Bonjour, camarade. Bonjour. Le sujet principal de notre conversation sera l'histoire de l'émigration polonaise en France. Cependant, avant d'aborder la conversation historique, je dois poser des questions sur les protestations en France contre la réforme des retraites. J'ai deux questions à vous poser. Comment se sont passées les manifestations dans le nord de la France et comment tout cela finira-t-il? Jeudi, Macron a fait adopter les lois en utilisant les paragraphes 49.3. Pensez-vous qu'il y a une chance d'annuler cette réforme? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je constate que la volonté de mobilisation du mouvement syndical reste intacte. Les mobilisations se consolident, se fortifient. Donc ça, c'est un bon signe. Et puis l'adoption par le 49-3 de cette réforme montre le caractère antidémocratique de ce régime, puisque à peu près, je sais, on était entre 65-70% des Français sont contre cette réforme et 90% du monde du travail est opposé à cette réforme. Oui, mais moi, je voudrais comprendre pourquoi, parce qu'on avait les élections présidentielles, ça fait un an, et tout le monde savait qui est Emmanuel Macron. D'abord, il était ministre économie. Déjà, il a poussé les réformes néolibérales. Après, il a devenu le président de la France. Il a supprimé ISF. Il a réprimé brutalement les mouvements des Gilets jaunes. Et on peut déjà dire que Macron en pouvoir était le néolibéral psychopathe. Et je ne comprends pas. Et pourquoi en élection qui était, et ça fait un an, et en deuxième tour, il y avait les deux candidats, il y avait le néolibéral psychopathe autoritaire Emmanuel Macron, qui promit qu'il va faire les réformes de la retraite. Et à d'autre côté, il y a les Marine Le Pen, qui, avec tous les trucs qui sont mauvais, une chose qui était bonne, Marine Le Pen était contre la réforme des retraites. Et je ne comprends pas pourquoi toute la gauche française, et Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, ils supportaient dans le deuxième tour Emmanuel Macron. Et maintenant, ils protestent contre la réforme des retraites. Mais c'était prévu dans les élections qu'il va faire cette réforme. Oui, tout à fait. Donc c'est toute la contradiction. Bon, Macron a quand même été élu par défaut. 60% des électeurs se sont abstenus hein, au second tour. Et toute la gauche n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Par exemple, le pôle de Renaissance communiste en France, le Lutte ouvrière, ont appelé à l'abstention. Alors évidemment, ça renvoie le PCF et la France insoumise à ses propres contradictions, car systématiquement, depuis une vingtaine d'années, on nous agite comment dire, on nous fait un peu du chantage avec le Front national et l'extrême droite. Et faut quand même pas oublier que l'extrême droite a monté depuis que le Parti socialiste au pouvoir a adopté une politique libérale. Depuis le tournant économique des années 82-83, et donc voilà, c'est une forme de chantage. Et certes, les Français, quand même, en majorité au second tour, n'ont pas plié face à ce chantage, avec 60% d'abstention au second tour. Alors maintenant, évidemment, on a beau dos de critiquer Emmanuel Macron, mais comme vous le dites, évidemment, sa politique, inspirée par l'Union européenne, hein, par les accords de Barcelone de 2002, hein, qui prévoyait le report de l'âge de la retraite déjà à 67 ans, tout ça était prévisible.
Oui, tout ce truc, les dangers extrême droite, et à d'autres côtés, il y a les gentils Macron, moi je comprends pas. Pour moi, la plus extrême qui existe, ce sont les néolibérales qui, déjà, sur tous les niveaux, sur le niveau militariste, on voit des politiques Macron et tous les dirigeants de l'Union européenne qui poussent les pays occidentaux. Pour la guerre, contre la Russie, pour l'expansion de l'OTAN sur l'Est, aussi la politique intérieure en France, on voit tout cet autoritarisme, toutes les liquidations des libertés de la parole. Je ne comprends pas à quel niveau la Marine Le Pen est pire que Macron et Commission européenne. Ben, disons que Macron exerce le pouvoir et comme vous le dites, c'est aussi une expression d'une certaine fascisation du pouvoir, hein, du régime français, hein. On a eu encore hier la répression du mouvement syndical. On a deux jeunes de la jeunesse communiste qui ont été blessés sur l'île, à Lille. Vous évoquiez tout à l'heure le mouvement des Gilets jaunes avec la répression implacable qui s'est abattue sur les membres de ce mouvement. Et donc, effectivement, on est dans le cadre d'une république bourgeoise où la lutte des classes s'exprime à travers la répression du mouvement ouvrier avec ses revendications. Ce qui serait intéressant avec le mouvement de retraite, c'est de pouvoir faire le lien, le parallèle avec la construction européenne, la remise en cause de l'Union européenne, également la remise en cause de l'OTAN. On évoquera peut-être plus tard si on parle du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, ou plutôt l'OTAN et les États-Unis à la Russie. Oui, depuis un an, toutes les conversations s'est finies sur la discussion sur l'Ukraine. D'accord. On y reviendra peut-être alors. Ne vous inquiétez pas, les Ukraines, on va parler. Bon, passons maintenant au sujet principal de notre conversation. Qui est l'émigration polonaise en France? Pouvez-vous parler des Polonais venus en France après la Première Guerre mondiale? Combien y en avait-il? Où vivaient-ils? Qu'ont-ils fait? Et quels étaient vos ancêtres? Avez-vous des contacts avec des proches en Pologne? Donc l'immigration ouvrière massive de Polonais en France a débuté en 1919 grâce à la signature d'une convention entre Paris et Varsovie qui fixait un peu le cadre de ce mouvement migratoire. La France sort en partie détruite, notamment notre région du Nord-Pas-de-Calais, sort largement détruite du fait de l'occupation allemande. Deux tiers du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été occupé, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et quand les Allemands sont partis, ils ont anéanti à peu près. Alors c'est le bassin minier, donc c'est une région où il y a une forte activité charbonnière. Et les Allemands, en partant, ont anéanti à peu près 200 fosses. Ils ont inondé, etc. Et donc là, il y avait un besoin de main-d'œuvre dans les mines du Nord-Pas-de-Calais notamment, qui vont devenir les départements les plus polonisés de France. J'y reviendrai. En Pologne, la Pologne vient de recouvrir son indépendance. Elle est confrontée à une démographie galopante, aussi à surpeuplement des campagnes parce que le régime polonais à l'époque n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer une réforme sociale qui aurait donné du pain aux paysans polonais. On restait dans une Pologne très nobiliaire, hein, aux mains de la grande aristocratie. Et donc, le courant migratoire va se faire de Pologne vers la France. Les principales régions touchées par ce courant migratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais sera le département où il y aura le plus de Polonais en France, mais également les autres régions minières, comme la Lorraine. On aura une partie du bassin d'Alès, le Forez, autour de Saint-Étienne. Donc là, on peut considérer à peu près que sur 10 Polonais qui viendront en France entre 1919 et 1931, 8 exerceront dans les mines, un dans l'agriculture et un
donc 10% dans l'industrie textile ou métallurgique. Donc, ça va complètement transformer, ici dans le Pas-de-Calais, et dans le Nord et le Pas-de-Calais, ça va complètement transformer le visage de ces deux départements. Deux chiffres peut-être. En 1921, pour la région Nord-Pas-de-Calais, on a recensé 4000 Polonais. Et en 1921, et en 1931, on en recense 191 000. C'est-à-dire qu'il y a eu un progrès exponentiel. Et à l'époque, en 1931, qui est un peu le pic du courant migratoire, un habitant pratiquement de la région sur 10 est de nationalité polonaise. Donc, voilà, avec toutes les conséquences que ça va entraîner, on a des villes où on a pratiquement un habitant sur deux, des villes comme Bruay-la-Buissière, comme Marle-les-Mines, comme Rouvroy, des villes situées dans le Pas-de-Calais, on a à peu près parfois un habitant sur deux qui est de nationalité polonaise. Donc, c'est énorme. Alors le recrutement va se faire d'une part en Westphalie, puisque vous savez que une partie des Polonais, donc sous occupation prussienne avant la Première Guerre mondiale, vont partir travailler à partir de la fin du 19e siècle dans les mines de la Ruhr, donc à Bochum, Recklinghausen, etc., Dortmund. Et donc la France va, de 1921 à 1925, on va recruter entre 100 et 130 000 Polonais de Westphalie. Parce que, bon, il faut savoir que les Polonais avaient le choix, les Polonais qui habitaient en Allemagne à cette époque, avaient le choix entre le retour en Pologne ou le fait de rester en Allemagne, mais dans ce cas-là, il fallait opter pour la nationalité allemande. Donc ça sera une source de recrutement. Et la deuxième source de recrutement, évidemment, ça sera la Pologne. Et on va installer notamment un camp de recrutement à Mislovice, en Haute-Silésie, où on va procéder à un tri parmi les travailleurs volontaires au départ. Et donc, de Mislovice, les Polonais vont partir en train jusqu'à Toul, qui est un peu le Ellis Island de New York. Hein. Donc, Toul, on va répartir un peu la population polonaise sur l'ensemble du territoire français. Donc, ils vont partir au départ avec des contrats d'un an, et la plupart donc vont venir dans les mines, soit du Pas-de-Calais, de Lorraine ou du Forez. Pour le Pas-de-Calais, donc il y a bien sûr 10 Polonais qui travaillent, il y en a 8 qui travaillent dans les mines. Pratiquement, on aura parfois, ils seront même majoritaires au fond des puits, à l'abattage. Donc voilà, ils vont aussi importer toute une culture de lutte, une culture de tradition culinaire, gastronomique, etc. Alors ce qu'il faut peut-être aussi indiquer, c'est que les houillères vont favoriser, pour accueillir évidemment cette population, vont favoriser l'implantation de l'Église catholique, qui était très puissante parmi ces populations, notamment en Westphalie, va favoriser l'éclosion de commerces, de magasins, va permettre le foisonnement associatif. En fait, l'idée, c'était de reconstituer tout un univers qui sera propice, qui permettra aux Polonais de s'installer. L'idée, c'est que les Polonais s'installent peut-être définitivement sur le territoire. Donc, il faut créer les conditions morales qui permettent aux Polonais de rester dans le territoire et surtout pas de repartir en Pologne. Et donc là, l'Église, c'est vraiment les houillères, les charbonnages qui vont favoriser la venue de prêtres polonais. Alors, surtout dans le but d'éviter... Enfin, c'est aussi, surtout dans leur esprit, c'est d'éviter que ces travailleurs polonais soient contaminés, ça c'était leur terme, hein, contaminés par la propagande, enfin, ce qu'ils appelaient la propagande syndicaliste, et soient attirés par l'idéologie communiste. Ça explique le rôle, la présence de prêtres polonais dès les années 1920. Parallèlement, la répression à l'encontre des militants syndicaux, des militants politiques polonais va très vite. Hein, on a une grève, alors en lien avec la grève des cheminots, une grève de solidarité dans une mine près de Bruay, ici dans le bassin minier, en mars 1920, donc c'est très tôt après la signature de la convention de 1919. Et les premiers grévistes, les meneurs, ou considérés comme tels, vont être expulsés en Pologne dès cette époque. Et les expulsions pour raisons politiques ou syndicales
vont toujours avoir lieu jusqu'aux années 1950. Sauf pendant la période où le Parti communiste était au pouvoir entre 45 et 47. Donc là, on n'aura plus d'expulsion pour raisons politiques. Ce qui est quand même un comble dans un pays qui se réclame, qui se dit des droits de l'homme. Bon, je veux, dans le truc que vous avez dit, il y a quelque chose que je voudrais commenter. Première chose, j'ai jamais entendu cette histoire de Polonais en Westphalie. Déjà, ça montre que toute cette histoire est très importante pour la nation polonaise, parce que les chiffres que vous avez dit, plus de 100 000 ou presque 200 000 gens, c'est énorme. Et en école polonaise, on parle pas de ça. On parle sur l'émigration des nobles après l'insurrection en 1830. Et ça s'appelle les grandes émigrations. Les grands, pas en nombre, mais grands parce que ce sont les grands hommes, ce sont les nobles, ce sont les aristocrates, ce sont les gens cultivés. Mais les ouvrières, on s'en fout. Ça. Personne ne parle pas dans l'école polonaise sur l'émigration massive des ouvrières polonaises. Et d'autres choses, c'est normal. Il y a beaucoup de toute cette émigration qui était avant. D'abord, d'habitude, elle était après la insurrection qui était perdue ou après la guerre qui était perdue. Et les gens émigraient parce que la Pologne n'existait pas. Mais comme la Pologne est devenue indépendante, et beaucoup de gens revenus en Pologne. Il y a le très, très célèbre livre, ça s'appelle Przedwiośnie, Stefan Jeromski. Et c'est l'histoire de jeunes mecs qui étaient nés en Bakou, en Russie, en Azerbaïdjan. Bakou, c'était un endroit où il y avait beaucoup de pétrole. Et ingénieur polonais travaillait là-bas pour raffiner cette pétrole. Et l'histoire était comme ça, qu'il était jeune, il était né, d'abord il était la Première Guerre mondiale, après il y avait les révolutions, après il y avait la guerre civile entre les nations du Caucase, et lui, il voulait rentrer en Pologne parce qu'il a entendu que la Pologne était créée à nouveau. Et toute cette histoire, comment il était voyagé par toute la Russie pour rentrer en Pologne. Et les gens rentraient en Pologne, mais les ouvrières, comme ils ont vu que la nouvelle Pologne, c'est les Pologne capitaliste avec les dictatures de bourgeoisie et aristocratie, ils se sont dit ah non, c'est pas intéressant pour nous, on quitte ce pays. Massivement. Et ça aussi, ça montre un peu mon histoire, parce que moi, j'étais recruté en Pologne en 2012, je ne parlais pas français. J'étais recruté en boîte intérim avec 30 mecs, personne ne parlait pas français, mais dans les CV, c'était nécessaire pour écrire que mon niveau de langue française est communiqué. Parce que les contrats de travail étaient en langue française, et je devais écrire « j'ai lu et approuvé et mes initiales ». Mais le mec qui m'a recruté, il a dit « écoute, ça c'est notre secret, tu ne parles pas français, mais ne parle pas avec les autres que tu ne parles pas français ». Après, on était dans le bus, 9 mecs, on est venu dans l'hôtel en Normandie, et il faut parler avec les gars on qui travaillent dans l'hôtel. Et c'est qui parle français ici? C'était vraiment bien pensé, parce que les travailleurs ont des amiantages, c'est le travail très 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 risqué. Comme ils ne parlent pas langue, ils ne vont pas s'indiquer, ils ne vont pas poser les questions. On a travaillé aussi samedi parfois, ça c'est très bien. Je voudrais commenter quelque chose aussi, mais j'ai oublié, parce que vous parlez trop vite. D'accord, bon, je vais ralentir alors. Non, parce que c'est le sujet très très important.
Et je voulais rajouter qu'ici, donc, par rapport à ça, les Polonais étaient regroupés, donc ils vivaient sous cloche, ils vivaient en ghetto. Et c'était vraiment la volonté des houillères de les maintenir dans un ghetto pour éviter le maximum possible tout contact avec la population française. Alors, ils avaient le contact au fond des puits de mine, évidemment, ils travaillaient ensemble. Mais dans la vie, c'était très difficile. C'est pour ça qu'on a... On a favorisé les associations, la culture, les bals, voilà, l'amusement, mais ils vivaient entre eux. Alors ça, c'était aussi encouragé par l'Église polonaise, parce que le but de l'Église polonaise, c'était surtout qu'ils ne soient pas non plus contaminés par des idéaux progressistes. Et l'idée de l'Église polonaise, c'était que cette main d'œuvre reparte en Pologne. Donc, il fallait la maintenir dans son jus, quoi. C'était aussi l'idée vous évoquiez la Pologne dictatoriale, c'était aussi l'idée des autorités polonaises en France, que ce soit l'ambassade ou le consulat, qui veillait à ce que ces Polonais vivent entre eux. Alors, au bout d'une vingtaine d'années, on aura quand même, par rapport à une communauté qui vivait arc-boutée sur des traditions nationales et religieuses, on aura quand même des percées, parce qu'il y a un mouvement communiste qui va se développer, évidemment, hein, confronté à l'exploitation de classe. Des Polonais vont entrer dans la lutte, à leur risque et péril, hein, parce que, je le répète, entrer dans la lutte syndicale ou politique pour un Polonais, ça pouvait signifier très vite une expulsion. Et on se doute, d'ailleurs, alors ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que le régime de Pilsudski, ou ensuite le régime des colonels, n'appréciait pas beaucoup que ces communistes polonais de France soient expulsés, parce qu'ils ne voulaient surtout pas les voir revenir en Pologne. On a eu des cas où des communistes expulsés de France vont finir dans les prisons polonaises dès leur arrivée. Alors, ce qui explique qu'un des plus célèbres militants de Polonais de France, qui s'appelait Thomas Olszanski, dont on connaît bien l'itinéraire parce qu'il a écrit un ouvrage autobiographique en Pologne, hein, en 1957, qui a été traduit en français dans le cadre d'un mémoire de maîtrise. Donc, on connaît son itinéraire. Et lui, il arrivera avant la grande vague de 1919. Il arrivera en 1909. Il va travailler dans les mines du Pas-de-Calais. Et il va obtenir la nationalité française en 1922. Alors, jusque-là, il militait de façon clandestine au sein du parti de la SFIO, donc la section française de l'Internationale ouvrière, puis après le congrès de Tours, du Parti communiste. Et là, il militait dans la clandestinité. En 1922, il obtient la nationalité française. Et donc là, il milite au grand jour, sous son nom. Et donc, la France va prendre des mesures à son encontre et va le dénaturaliser. On va le dénaturaliser pour finalement l'expulser en Pologne. Enfin, en Pologne. L'idée, c'était de l'expulser en Pologne, mais finalement, lui, il va trouver l'asile politique en Union soviétique et il reviendra en Pologne qu'en 1945, à la faveur de l'émergence de la Pologne populaire. Donc, c'était quelqu'un qui était très, très célèbre au sein de la communauté polonaise. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de l'expulser. Encore une fois, la France qui se permet de donner des leçons de droits de l'homme à la terre entière, eh ben, là, fouler aux pieds ses principes élémentaires. Puisque je voudrais le rappeler quand même, le droit pour un étranger de se syndiquer est un droit reconnu par la législation depuis la loi 1884. La loi Waldeck-Rousseau, tout étranger pouvait en France se syndiquer, prendre une carte au syndicat et militer au sein du syndicat. Mais voilà. Et donc on aura des dizaines comme ça de Polonais qui vont être expulsés pour la seule raison d'avoir. Ils n'ont pas assassiné un patron, ils n'ont pas pendu un contremaître, ils n'ont pas commis d'actes illégaux. Mais le fait de militer, ben voilà, ben, leur offrait un retour dans les 48 heures en Pologne. Ce qui était pour eux une crainte, parce que la Pologne, effectivement, c'était une dictature fascisante et ils ne faisaient peut-être pas forcément bon vivre pour un militant communiste de retourner en Pologne.
Je savais qu'est-ce que je voudrais dire. Que moi, je connais un peu Calais parce que j'ai la famille en Londres et parfois je vais en Calais pour déposer ma femme parce que c'est ma femme qui va là-bas pour Londres en le tunnel où on se retrouve là-bas. Si quelqu'un voyage en voiture en Pologne, comme ça à Calais, on peut se retrouver. Et j'étais quelques fois en Calais et je savais que c'est les endroits où étaient beaucoup de Polonais, comme ça pendant les quelques temps libres qui étaient. Je cherchais, est-ce qu'il y a quelque chose, mais je n'ai rien trouvé. Calais, c'est les villes exceptionnelles ou les Polonais sont à d'autres villes? Ils sont... Oui, là, les Polonais, Calais est à peu près à 100 km du bassin minier. Les Polonais sont quand même concentrés, les Polonais dans le Pas-de-Calais, donc le Pas-de-Calais c'est le département, sont concentrés de Marle-les-Mines, Lens, Béthune, Carvimbe, Libercourt, Rouvroy, Méricourt, donc toute la frange de bassin minier. À Calais, il y avait très peu, alors il y avait des Polonais, peut-être pas à Calais, mais dans les alentours, des Polonais qui travaillaient dans les champs. Donc, c'était des paysans de polonais. Sinon, à Calais, vous ne trouverez pas de Polonais. Ici, on a encore des restes. On a des magasins polonais, quelques magasins polonais. Dans les supermarchés, on a encore des rayons où il y a de la gastronomie qui vient de Pologne. Il y a souvent encore du folklore. Enfin, il y a encore des groupes de musiciens, de danseurs qui s'expriment ici un siècle après l'arrivée des premiers Polonais, quoi. Donc une partie de cette communauté polonaise. En fait, il y a quatre périodes dans l'immigration polonaise ouvrière dont vous parliez au début. Elle commence en 1919 et elle finit à peu près en 1949-1950. Quatre périodes. Donc la première qui va de 1919 à 1931. Là, c'est une période d'expansion. En 1931, on a à peu près 500 000 Polonais qui vivent en France. 500 000, c'est moitié des millions. Voilà, c'est ça. C'est pratiquement, avec les Italiens, c'est la communauté étrangère la plus importante. 1931, c'est la crise du capitalisme, crise de surproduction. Donc là, les Polonais sont invités à repartir chez eux. C'est-à-dire… Voilà, on leur dit, il n'y a plus de travail. Alors, c'est l'État français, hein, il n'y a plus de travail dans les mines, donc vous repartez chez vous. Ce qui ne faisait pas forcément plaisir au patronat des mines, pour deux raisons. Parce que pour former un mineur, on ne le forme pas comme ça en deux jours. Il faut parfois plusieurs années. Et ensuite, ils craignaient qu'en cas de, renversement de la conjoncture, si la situation économique s'améliorait, il aurait fallu de nouveau aller chercher ces Polonais en Pologne. Ça a un coût aussi, et donc ils réagissent, évidemment, c'est des patrons, ils réagissent selon une logique très, très, très pécuniaire. Mais donc c'est la deuxième période qui va de 1931 à 1936. Et là, sur les 500 000 Polonais qu'on a en 1931, il y en a 120 à 130 000 qui vont retourner en Pologne. De façon, alors qu'ils n'ont rien demandé, hein, et la Pologne est encore plus pauvre que la France. Voilà, pour eux, ça va être vécu vraiment comme un drame par ces gens-là. 1936, c'est le Front populaire en France. Donc là, on met fin un peu à ces départs, ces départs forcés. Ensuite, on a la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un peu une parenthèse. Hein. La France est sous occupation, notamment le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est sous occupation allemande. Bon, la Pologne n'existe plus. Et on aura, après la libération, des retours en Pologne, mais cette fois volontaires. Donc des Polonais, des mineurs de France qui, à la demande du gouvernement polonais de l'époque, décident de repartir de façon volontaire en Pologne pour rebâtir un pays exsangue, victime de l'occupation nazie là, pendant 6 ans. Et ces Polonais vont repartir, je parle des Polonais du Nord-Pas-de-Calais, les mineurs vont essentiellement repartir en Silésie, et notamment en Basse-Silésie, à Wałbrzych, qui va devenir un peu une petite France
paradoxalement, une petite France. Aujourd'hui, quand vous allez dans les rues de Vaubjer, on trouve encore des anciens, alors ils ont aujourd'hui 80, 85, 90 ans, qui parlent un français comme vous ou moi. Donc, voilà, ils ont recréé un peu, là, c'était le paradoxe des petites Frances. Et ces gens-là sont repartis parce qu'ils étaient des patriotes. La Pologne avait besoin d'eux pour redresser le pays, donc ils sont partis. Les premiers qui sont partis, c'était quand même des militants communistes qui étaient proches du parti communiste français, mais aussi du parti ouvrier polonais au pouvoir en Pologne, à partir de 44-45. Donc ça aussi, c'est ce départ volontaire ici en France, on parle très peu de ces retours volontaires des Polonais à la libération pour reconstruire et redresser le pays. Oui, mais ce retour volontaire, il montre quelque chose de très important, que la Pologne capitalise après la Première Guerre mondiale, c'était la dictature des bourgeois et oligarques, comme ça les ouvriers sont partis, mais en Pologne socialiste, ils sont revenus parce qu'ils sentaient que maintenant c'est mieux, et on peut rentrer. Et il y a très, très drôle l'histoire sur les trucs que vous avez dit. Maintenant, en Pologne, il y a le très célèbre mec qui s'occupe de propagande sur la guerre en Ukraine. Chaque jour, il enregistre vidéo et ils disent que bientôt les Ukrainiens vont être en Moscou, en Vladivostok, les gars comme ça. Mais il était une fois, il était interviewé sur son histoire familiale. Il a dit que son grand-père ou grand-grand-père, il était dans cette histoire. Il était en France. D'accord. Il était communiste en France. Et lui, il était, comment dire, il était pas fier de son grand-père, qu'il avait qu'il était communiste, syndicaliste. Et il est rentré en Pologne à 45 en Vaubjer. Il est devenu le directeur de mines en Vaubjer. L'histoire comme ça. Ils ont eu des promotions. Enfin, ces mineurs communistes ou pas, ils n'étaient pas tous communistes, mais les autres étaient des patriotes où ils voulaient simplement retourner dans la mère patrie, comme ils disaient, parce qu'ils avaient la mère patrie au cœur. Et ces gens-là ont fait ont réussi des promotions sociales ici. S'ils étaient restés en France, ils seraient peut-être morts de silicose à 40 ans, dans les mines ou 40 ou 50 ans dans les mines de France. Et là, ils sont repartis, comme vous dites, ils sont devenus directeurs d'usines, ils sont devenus ingénieurs, ils ont pu faire les écoles. Moi, j'en ai interviewé, ils ont dit qu'ils, même sur le plan culturel, à Vaubjer ou à Zabjer, ils allaient à l'opéra. Ils avaient une culture, ce qu'ils n'avaient pas en France. En France, on les laissait dans leur jus, dans leur mine, voilà. Et donc là, ils ont une ouverture culturelle, ils avaient accès à la lecture, etc. Donc il y a véritablement eu un épanouissement culturel. Un journaliste communiste avait fait, je vais peut-être le montrer, c'est Jacques Estagé. Peut-être le montrer comme donc ça. Découvert voilà. De la Pologne. Découvert, oui. Jacques Estagé. Alors c'est un journaliste qui travaillait pour le journal Liberté, un journal communiste du Nord, et il est parti en 1948 en Pologne, et donc il a fait un feuilleton dans le journal, et il a expliqué, il rencontrait des anciens résistants, des anciens membres du Parti communiste, voilà, et donc il est fait témoigner dans cet ouvrage. Donc à l'occasion du 50e anniversaire de ses retours volontaires en Pologne, on a décidé, les amis d'Edouard Guirec ont décidé de rééditer cet ouvrage pour montrer, pour rendre hommage aussi à ces bâtisseurs de la Pologne populaire. Alors qui ont été acheminés principalement vers la Basse-Silésie, parce qu'on avait besoin aussi de main-d'œuvre, hein, les Allemands avaient été chassés de Basse-Silésie. Donc on avait besoin de main-d'œuvre pour relancer l'activité charbonnière. Ce qui explique pourquoi on rencontre encore aujourd'hui des descendants de ces bâtisseurs de la Pologne populaire à qui on a souhaité rendre hommage.
Moi, je comprends très bien des mentalités, les gens qui voulaient rentrer en Pologne, parce que moi, depuis 10 ans déjà, j'habite en France, je suis ouvrier physique. Et comme je dis, d'abord, j'ai travaillé en désamiantage, après en restauration. Depuis 7 ans, je travaille en chambre froide, dans les températures moins 25. Et depuis 3 ans, on parle avec ma femme qu'il faut qu'on rentre parce qu'ici, on ne progresse pas. Il y a les limites qu'on ne peut pas dépasser, surtout moi avec ma femme un peu. C'est plus facile pour elle avoir les promotions dans le travail. Pour moi, non, parce que moi, je suis communiste. Et si quelqu'un tapait mon nom sur l'Internet, ah non, 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 on ne va pas embaucher les communistes. Mais on n'a pas rentré d'abord parce que c'était l'épidémie, maintenant c'est la guerre. Et on attend les moments. Mais si un jour quelque chose s'est changé et ils vont organiser la économie va être bien, les sociales aussi. On va rentrer comme ça. On n'a rien qui nous tient, qui nous tient ici. C'est toujours mieux être dans les communautés où on sait qu'il y a plus d'égalités. Ici, toujours, on sait que oui, que il y a je sais, par exemple, dans les chambres froides où je travaille, que les gens qui travaillent dans le froid, ce sont les émigrés, majorité qui viennent d'Afrique, mais les émigrés, un peu d'Europe de l'Est. Et dans les cadres, dans les bureaux, ce sont les blancs français. Il n'y a pas apartheid, il n'y a pas esclavagisme, mais les blancs sont dans les bureaux et les émigrés dans le froid. Ça, chez nous, c'est comme ça. Ici, la situation s'est améliorée. Il y a eu une élévation sociale, entre guillemets. Les descendants de Polonais, la deuxième génération et surtout la troisième, ont pu aspirer à d'autres professions, hein, comme enseignants, comme employés, etc. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a le fait que les mines ont fermé, et puis le fait aussi que beaucoup ne voulaient pas travailler dans les mines, dans l'exploitation minière, parce que c'est des travaux très, très éprouvants, qui affectent la santé, etc. Donc, on a eu un phénomène, pour ceux qui sont restés en France, pour les Polonais qui sont restés en France, on a eu un phénomène d'élévation sociale au fil des années, au fil des décennies. On peut estimer, vous me demandiez un chiffre tout à l'heure, que entre 1945 et 1949, c'est 62 000 Polonais de France qui sont repartis en Pologne. En proportion, ça fait à peu près un Polonais sur cinq, un Polonais qui vivait en France sur cinq est retourné en Pologne à cette époque-là. Ce qui est un chiffre qui me semble important, d'autant plus qu'il y avait quelques réserves, hein. La Pologne, on entrait à partir de 47-48. Enfin, ces départs ont été favorisés non seulement par le gouvernement polonais, hein, qui payait le train, qui payait le ravitaillement, hein, pour faire un voyage. Le voyage durait sur les 1 000 km, 1 000-1 200 km, il durait quand même 7 jours à l'époque, hein. Aujourd'hui, en avion, on met 2 heures pour aller je sais pas, à Cracovie ou à Wrocław. Là, c'était 7 jours. Et c'est le gouvernement polonais de la démocratie populaire qui a mis tous ces moyens au service de la population. Ils leur ont offert aussi, ils leur assuraient un logement. Ils étaient assurés, les mineurs qui repartaient en Pologne étaient assurés d'avoir un logement, étaient assurés d'avoir un travail. Donc, ils pouvaient repartir avec leurs meubles aussi. Qu'ils avaient, c'est quand même important parce qu'en 20 ans, ils avaient, enfin, réussi à amasser un petit capital physique, des meubles, etc., même du cheptel. Et donc, le Des gouvernement quoi? polonais de Des l'époque, quoi? du cheptel, c'est du bétail pour les Ah. agriculteurs. Parce que les agriculteurs, il y a des agriculteurs aussi qui sont repartis à l'époque. Et donc, ils pouvaient repartir avec leurs bêtes, quoi, hein, quand ils en avaient. Et donc, c'était vraiment. Et donc, donc les rapatriements vont durer de 46 à 48, et ça va s'arrêter en 48 parce que la France va. On est entré dans la guerre froide,
et la France va refuser elle-même d'accorder ses facilités à l'État polonais. Donc là, à partir de 48, les Polonais qui vont souhaiter repartir en Pologne vont devoir le faire par leurs propres moyens. Donc, ce qui était beaucoup plus coûteux, il fallait prendre un ticket qui allait de Calais, justement, la ville de Calais, jusqu'à Varsovie. Et là, ça coûtait évidemment cher, alors qu'avant, c'était gratuit. Donc, 1 sur 5, je trouve que c'est un beau, une belle statistique. Vous pouvez expliquer les phénomènes que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de Juifs polonais qui étaient actifs dans la résistance, mais ces gens, ils n'étaient pas dans cette vague de migratoire, c'était d'autres vagues. Oui, les Juifs polonais, c'était plutôt des Juifs qui habitaient Paris et sa région. Ici, on avait des Juifs polonais. Alors, on avait aussi des Juifs polonais hein, qui sont arrivés dans les années 20-25 dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais essentiellement, c'était des Juifs qui exerçaient comme tailleurs, comme bottiers ou comme commerçants. Et donc, ils étaient venus ici dans le bassin minier parce qu'il y avait une forte immigration polonaise. Donc, il y avait de quoi faire aussi des affaires et puis ils fuyaient la misère. Et les pogroms en Pologne. Hein. Il y avait cet aspect antisémitisme en Pologne qu'ils fuyaient, mais qu'ils ont retrouvé ici parce que ici, il y avait deux grands journaux pour la communauté polonaise, c'était le Narodowiec et le Wiarospolski. Et Narodowiec était plutôt un journal démocrate chrétien et Wiarospolski, c'était vraiment pro-Pilsudski, un journal fascisant d'ailleurs qui va être interdit en 1944, il va être interdit de parution pour collaboration. Et le Narodowiec menait des campagnes très violentes, très virulentes envers ces Juifs qui étaient accusés de venir manger le pain des Français. Donc c'était voilà, ça c'est Narodowiec. Alors c'est un journal qui a été fondé en 1909 à Erne par Kwiatkowski qui allait devenir député puis un membre éminent du gouvernement polonais de Londres et qui en 1924, le Narodowiec va être transféré à Lens dans le Pas-de-Calais. Donc et ça va devenir le journal principal de la communauté polonaise jusqu'en 1989. En 1989, il va cesser de paraître. Et Wiarospolski, voilà. Donc ça c'est vraiment la. Alors il y aura aussi des journaux de gauche, hein, des journaux communistes, mais la plupart vont être interdits de parution. Au bout de 3 semaines, 1 mois, voilà, ils subissaient la répression aussi, la répression étatique. Donc, il y avait aussi deux poids, deux mesures par rapport à ça. Et vous la presse communiste, oui. Vous connaissez je veux dire que la presse communiste va se développer après la guerre en France, avec le Gazeta Polska, qui va se développer de 1945 jusqu'en 1952. Et en 1952, on est en période de guerre froide. Et là encore, la France va prendre des mesures pour interdire la presse communiste sur le territoire français. Donc, la France va aussi interdire toutes les associations pro-communiste ou favorable à la Pologne populaire, donc des associations qui pratiquaient la culture, le sport, la lecture, etc. En 1950, en janvier 1950, la France va interdire ces associations. C'était le Conseil national des Polonais en France, Rada Narodowa Polska, RNP. Ils vont être interdits avec une dizaine d'autres associations. Dans le cadre aussi de cette répression impitoyable qui va toucher le mouvement communiste en France. Mais attendez, les Gazeta Polska, c'était les journaux communistes ? Ici en France. Hein. Oui, parce qu'en Pologne, il y a les Gazeta Polska, mais c'est le journal extrême droite. Oui. Mais là, c'était le journal qui était proche du PPR, hein, puis ensuite du coup, du Parti ouvrier unifié. Ah, ça, c'est vraiment bonne information, parce que cette Gazeta Polska, c'est une secte religion smolenska. Ce sont les gens qui depuis 12 ans, tous les temps, ils parlent d'avions en Smolensk à 2010, et que c'était les attentats de Tusk avec
avec Poutine, tout ce truc. Cette information que c'était les c'était les journaux qui collaboraient avec Peppers, je vais propager en Pologne. D'accord. J'essaierai de vous retrouver des archives avec le titre du journal pour avoir une illustration. Et vous connaissez d'autres exemples en France ou dans d'autres pays où il y avait cette émigration organisée par deux pays, parce que cette émigration qui existe aujourd'hui en France, en Union européenne, il n'y a rien organisé. Chacun vient comme il veut. Et ce truc que l'État polonais organisait les trains pour aller en France, organiser tout ça. Vous connaissez d'autres exemples? Ça existait aussi pour l'Allemagne, hein, pour la Ruhr, pour la fin du 19e siècle, quand les Polonais de Poznanie, par exemple, sont partis travailler dans le bassin de la Ruhr, c'est l'État aussi qui a organisé. Et il y avait aussi des communautés, de fortes communautés polonaises dans la Ruhr, comme il y avait des communautés polonaises aux États-Unis ou au Canada. Quand les Polonais sont partis dans les années 1870-1880, mais là, ils partaient par bateau, on dit souvent que Chicago était la ville, avec Varsovie, la plus polonaise au monde. Hein, et ça le reste encore, il y a des quartiers fort polonais sur Chicago et dans d'autres villes industrielles des États-Unis, comme Détroit, par exemple. En Belgique, on a eu le même système, à un degré moindre, et également aux Pays-Bas ou au Luxembourg, on avait aussi une immigration polonaise. Alors pourquoi ils se sont arrêtés en France? Parce que tout simplement en 1921 et 1924, les États-Unis votent des lois de quotas, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de Slaves et donc de Polonais, on limite les autorisations d'émigration. Donc on n'a plus tellement le choix, peut-être que des Polonais auraient fait le choix encore après la guerre de partir aux États-Unis, et là les portes se ferment. Donc, faute de mieux, on vient travailler en France, quoi. Il y a cet aspect-là qui a joué. Bon, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur votre famille, votre ancêtre, à quelle année ils sont arrivés en France, et aussi quel est votre contact avec la langue polonaise? Est-ce que vous êtes dans une école polonaise? Et aussi, je peux vous examiner votre langue si vous voulez. En fait, c'est mes grands-parents. Un de mes grands-pères avait été mineur en Westphalie, et ils sont arrivés en France dans les années 1920. Voilà. Et mon père et ma mère se sont fait naturaliser, ont opté pour la nationalité française après la Seconde Guerre mondiale. Mon père était un résistant dans les rangs des FTP, il a fait un an dans les camps de concentration en Allemagne, et ensuite, lorsqu'il est revenu, mes parents se sont mariés, et mon père a obtenu automatiquement, c'était la possibilité qu'offrait la loi française, automatiquement, lorsqu'on avait 21 ans, la nationalité française. Bon, ensuite, j'ai jamais baigné dans ce monde de culture polonaise, trop de culture polonaise, sauf peut-être lors de certaines cérémonies religieuses comme à Pâques où on célèbre un peu, on mange des saucisses de Pâques, etc. Donc il y a certaines traditions qui sont maintenues. J'ai jamais été à l'école polonaise. Je maîtrise très mal le polonais. Je comprends les conversations courantes, mais je vais pas avoir une conversation comme on l'a maintenant historique en langue polonaise. Je vais comprendre les conversations que certains voisins auraient pu avoir ici dans le bassin minier. Et par contre, j'ai encore de la famille en Pologne, dans Poznanie, du côté de Jarocin, avec qui on correspond. Alors, il y a un petit moment que je ne suis pas allé les voir, mais on correspond par courrier. Mes derniers déplacements en Pologne se sont faits du côté de Sosnowiec, parce qu'il y a une dizaine d'années, enfin il y a 15 ans, on a créé l'association des amis d'Edouard Guirec, et on a enclenché toute une lutte contre les politiques de ce qu'en Pologne ils appellent la décommunisation. J'aime pas trop ce terme parce qu'il n'y a jamais eu de communisme en Pologne, enfin au sens marxiste du terme, au sens d'une société communiste sans classe. En fait, ils agitent peut-être, comme le dit mon ami Bruno Dreski, le terme de communisme comme un épouvantail, hein, pour faire peur encore, ils en sont là. Et donc, ils ont procédé à partir de 2015 à une multitude de débaptisations de rues.
pour effacer tout le passé progressiste de la Pologne. Donc vous le savez certainement mieux que moi, hein, on s'est attaqué non seulement à des dirigeants de la Pologne populaire, mais on s'est attaqué aussi à Rosa Luxembourg, aux fondateurs du Parti communiste polonais, à des bolcheviques des années 20. Enfin bon. Et donc dans ce cadre-là, on a été amené à mener un combat ici avec des maires des communes qui acceptaient pas ces débaptisations, parce qu'on débaptisait aussi le nom de rue c'était des militants qui avaient milité en France. Donc ce qui fait que nous, l'association des amis d'Édouard Guirec, on est intervenu pour populariser ce combat. Vous avez derrière moi, là, on le voit peut-être, c'est ici, alors je vais peut-être le montrer. C'est un livre aussi qu'on a fait, alors comme ça, par rapport à, toute cette histoire. Là, vous avez l'autoroute Rabiega-Kania. Et donc, Rabiega était un militant syndical de la CGT, hein, CGT ici en France, qui est reparti après la guerre à Vaubjer, justement. Et Kania était un résistant qui s'est fait décapiter par les Allemands, résistants communistes, et les autorités polonaises ont eu la bonne idée, d'après eux, de débaptiser des rues à leur nom, ce qui a entraîné un mouvement de mécontentement ici dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ils ont fait la même chose avec Édouard Guirec. Alors, Édouard Guirec avait un rond-point à son nom, hein, depuis 2002, il me semble, à Sosnowiec, où il est né. Et donc, on est entré en contact avec son fils. Non, il est né, je pense. Il n'est pas né en France? Édouard Guirec, non, il est né en Pologne. Il est arrivé en France à l'âge de 13 ans avec ses parents, avec sa mère et son beau-père, parce que son père était décédé dans une mine de Silésie. Donc, c'était son beau-père, Yaroch. Et donc, il est arrivé à 13 ans en France et il va rester 10 ans. Il va travailler notamment dans des mines de l'Hubercourt et le Forêt. Et au mois d'août 1934, on est en pleine crise économique, hein, on a une grève. Alors, une des premières grèves, les mineurs font grève au fond du puits. Et alors, il reste 48 heures. Et au bout de 48 heures, on leur promet l'impunité. Remontez, vous n'aurez rien. On va fermer la parenthèse. Ils ont fait grève pour protester contre la répression qui s'abattait sur les militants syndicaux. Et à la remonte, on va signifier à 77 d'entre eux, sur 200 grévistes à peu près, 77 vont faire l'objet d'un décret d'expulsion. Et dans les 48 heures, ils vont être envoyés en Pologne. Et donc, ça va être le cas d'Édouard Guirec, justement, qui va repartir en Pologne. En 1937, Guirec revient, pas en France, parce qu'il est interdit de... Il a été expulsé, hein, il est interdit de territoire. Il revient en Belgique. Et il va rester en Belgique jusqu'en 1948. Et en 48, il repart en Pologne de façon volontaire dans le cadre des rapatriements volontaires. Et là, il va s'installer en Silésie. Alors, ce qui est marrant avec Édouard Guirec, c'est lorsqu'il va être à la tête de l'État polonais, en 72, il est invité par le président Pompidou, à l'époque. Et lorsqu'il arrive à Orly, à l'aéroport d'Orly, on lui déploie le tapis rouge. Alors qu'il a toujours sur le dos l'étiquette d'un expulsé. Normalement, il était interdit de territoire. Depuis 1934, il était interdit de territoire sur le sol français. Et là, comme dirigeant de la Pologne populaire, on lui déploie le tapis rouge. Donc, c'est une anecdote assez savoureuse. Guirec a toujours cultivé sa francophonie, son amour de la France. Avec Rouge à Luxembourg, c'est une drôle d'histoire parce que c'est une des plus célèbres dirigeantes communistes dans le monde et aussi la plus célèbre femme polonaise qui était née en Pologne. Il n'y a pas peut-être Marie Curie Skłodowska est célèbre, mais la Rouge à Luxembourg est connue partout où elle est, mouvement ouvrier, mouvement communiste, dans d'autres continents, en Afrique, en Asie, en Chine. Il y a les écoles où il étudiait les livres de Rosa Luxembourg. Mm-hmm.
les gouvernements, les dirigeants en Pologne peuvent profiter de ça. Par exemple, la Géorgie, c'est un pays anticommuniste, mais ils profitent en Gorille, que c'était la ville natale de Staline. Il y a tout le temps les musées de Staline, les touristes viennent à Gorille que pour voir les musées de Staline. Mais ils sont les Rosa Luxembourg, il est né à Zamość. Et il y avait dans son maison natale, il y avait les inscriptions. Avant, il y avait les musées. D'abord, ils ont fermé les musées. Maintenant, ils sont aussi de détruire cette inscription qui est dans cette maison avec la plaque a été détruite, effectivement. Oui, mais c'était contre la loi parce que les lois de décommunisation, ils disent qu'on va décommuniser les gens qui étaient responsables pour les terreurs communistes après 1944 en Pologne. Et la Rosa Luxembourg est décédée en 1919. mais vous voyez, cette décommunisation... L'Institut de la mémoire nationale, l'IPN, traduirait peut-être en polonais, a établi toute une liste. Et on retrouve dans cette liste, par exemple, des résistants qui ont combattu le nazisme au ghetto de Varsovie, par exemple. Et ils se retrouvaient dans cette liste, comme des socialistes révolutionnaires de la fin du 19e siècle. Bon, c'est vrai qu'ils ont largement étendu bien au-delà de la période de la Pologne populaire. Oui, mais avec cette décommunisation, on peut aussi décommuniser Piłsudski, parce qu'il a participé en jeunesse dans le mouvement socialiste, il a collaboré avec les révolutionnaires russes. C'est vraiment l'idiotie. Et c'est la nouvelle génération, parce qu'il y avait la première vague décommunisation qui était faite en années 80. Par les gens qui étaient en prison, et bon, ils étaient idiots, mais quand même, c'était les gens qui ont vécu les répressions. Maintenant, on avait les jeunes mecs, 35 ans, qui étaient vécus en Pologne capitaliste. Parfois, ils sont nés en Pologne capitaliste. Et c'est vraiment très, très difficile de comprendre pourquoi ils détestent le communisme. Déjà, en Pologne socialiste, il n'y avait pas le communisme, mais pourquoi les mecs qui toute sa vie vivaient dans la Pologne capitaliste, pourquoi ont-on des haines pour la communisme? Moi, je sais pourquoi, parce que ce sont les ordres de américaine pour promouvoir russophobie dans toute l'Europe de l'Est. On voit maintenant les trucs qui se passent en Ukraine, dans les Pays-Bas, en Roumanie. On a les fous dans le pouvoir là-bas. Alors, ce qui est intéressant avec la décommunisation, entre guillemets, vous disiez une idiotie, c'est vraiment une idiotie parce que grâce à ça, enfin, grâce ou à cause de la décommunisation, nous, on a remis au goût du jour, en lumière, des parcours de militants qui étaient tombés dans l'oubli, des anciens brigadistes internationaux en Espagne. Donc, dans le bouquin qu'on a fait, on a rappelé ces parcours-là. Ils étaient tombés dans l'oubli et grâce à cette loi de décommunisation, on les a mis à l'honneur. C'est comme Édouard Guirec, à qui on a accordé deux villes, ont baptisé des rues au nom d'Édouard Guirec dans le bassin minier. J'avais ici le livre sur les Dombrowszczat, les Polonais dans les brigades internationales. Et là-bas, il y a l'intéressant chapitre que beaucoup de ces gens participaient après dans les résistants français. Mais je ne vois pas où est ce livre ici. Je ne vais pas chercher. Bon, j'ai les questions que j'ai préparées, mais déjà on a parlé de ça. L'émigration est un sujet très important dans la politique française depuis de nombreuses années. La famille Le Pen et Éric Zemmour ont construit leur position politique sur la lutte contre l'émigration.
Et à quoi ressemblait-il à son temps? Quelle était la relation entre l'extrême droite française et les Polonais? Comment les travailleurs français et les gouvernements français ont-ils traité les Polonais? L'extrême droite française considérait les Polonais comme presque comme des envahisseurs. Donc il y avait un anti-polonisme qui sévissait à l'époque. Alors même au sein du mouvement polonais, on avait des sociétés proches, des mouvements d'extrême droite proches. On avait des sociétés qui s'appelaient Association Pilsudski. Donc, qui vantait les mérites du maréchal Pilsudski. Donc, on était ou des associations paramilitaires qui vantaient un peu les mérites de l'extrême droite en Pologne. Et ces gens-là, alors que le gouvernement français réprimait le mouvement communiste, sous prétexte que les communistes n'avaient pas le droit de faire de politique en France, l'extrême droite, elle, l'extrême droite polonaise en France n'a jamais été inquiétée. Bon, elle était aussi minoritaire, mais elle n'a jamais été vraiment inquiétée, sauf, je vous dis, Wierusz Polski, qui a collaboré ouvertement avec les Allemands et qui a été interdit de parution à la Libération. Aujourd'hui, Marine Le Pen, alors, il y a, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, il y a encore des salons artisanaux ou commerce, où on vante l'artisanat polonais, etc., la charcuterie polonaise, les pâtisseries polonaises, c'est encore courant ici. Et un de ces salons se tient régulièrement à Hénin-Beaumont, la ville qui est dirigée par un bras droit de Marine Le Pen, où Marine Le Pen doit être conseillère encore d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il y a l'inauguration de ce salon, chaque année, Marine Le Pen aujourd'hui met en valeur la capacité d'assimilation des Polonais de France. Donc, on les met en valeur pour mieux incriminer, selon elle, d'autres communautés étrangères, comme les Algériens, les Marocains, les Africains, les musulmans, qui seraient incapables de s'intégrer dans la société française. Donc, aujourd'hui, on met en l'extrême droite française, mais félicite les Polonais pour leur capacité d'assimilation. Alors historiquement, c'est complètement faux. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ceux qui se sont assimilés, c'est ceux qui sont restés en France. Et en disant que les Polonais se sont très bien assimilés, on oublie ce que je parlais des années 30 tout à l'heure, ce dont je parlais, les départs forcés. On oublie les expulsions de syndicalistes. On oublie ceux qui sont partis dès les années 20 de façon volontaire parce que le travail dans les mines était éprouvant. Donc, ils sont restés une semaine ou deux dans les mines et ils sont retournés en Pologne. Et on oublie aussi les rapatriés volontaires. Donc, tous ces gens-là ne se sont pas intégrés dans la société française. Aujourd'hui, on a tendance à mettre les Polonais sur un piédestal et ce sont des contre-vérités historiques contre lesquelles on s'élève également. Et donc, l'extrême droite aujourd'hui en France instrumentalise l'immigration polonaise pour mieux incriminer d'autres communautés étrangères incapables, selon elle, de s'intégrer. Mais les Algériens, les Marocains, les Nord-Africains s'intégreront très bien. L'histoire, c'est la question de santé économique et d'expansion économique. On s'intègre très bien dans la société où on est si la société est en pleine expansion, en plein essor. Quand il y a une crise, évidemment, ça devient difficile. Bon, l'histoire que vous avez dit maintenant, c'est très, très similaire pour la politique migratoire des pays européens, surtout la Pologne, Commission européenne, on voit cette différence raciste entre les réfugiés qui viennent des Ukraine et dans le même moment sur les frontières Pologne avec Biélorussie, il y a les migrants qui viennent d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, les pays qui étaient bombardés et occupés par l'OTAN. Non, ça on ne veut pas. Ce sont les musulmans, ils sont pas blancs. Ça on va vu. Je sais pas. Est-ce que vous êtes au courant qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Oui, tout à fait. Ça fait ici en France, ça fait l'objet de critiques. Hein. C'était en mars-avril de l'année dernière.
On a très bien sorti cette préférence qui est politicienne, hein, une préférence politicienne. Voilà. C'est le racisme. On tout voit que les blancs chrétiens de Lvov et Kiev, on invite parce qu'ils ne disent pas ça, mais on va lui assimiler parce qu'ils sont comme nous. Non. Ils disent ça. Il y a les citations quelques politiciennes françaises ou les bourgeois. Je sais pas. J'ai oublié c'est qui a dit ça, mais il a dit ils sont comme nous. Les Ukrainiens sont comme nous. Ça veut dire qu'ils sont blancs et chrétiens. Et les Syriens et Afghans, ils sont pas comme nous. Comme ça, on peut lui ou les gens qui meurent dans les Méditerranée chaque année ou à Calais. Je sais pas. Depuis longtemps, il y a les gens qui meurent en Calais. Ils essayent de traverser les canons, la Manche, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a un deux poids deux mesures hein, qui flirte avec le racisme, effectivement. Et tout ça nous renvoie à la guerre en Ukraine hein, quelque part. Bon, maintenant je voudrais vous parler de la Pologne contemporaine. Ensemble, nous avons participé à des manifestations devant l'ambassade de Pologne contre la répression des communistes en Pologne. Pouvez-vous nous parler de ces manifestations et comment évaluez-vous la politique de décommunisation, vous avez dit ça. En Pologne, Kosztyn a effacé toutes les traditions de gauche de l'espace public. Comment évaluez-vous la politique honteuse de destruction des monuments aux soldats de l'armée rouge et des profanations des cimetières des soldats soviétiques morts dans la lutte contre l'occupant nazi? Ben pour nous, ça nous rappelle les années noires de la Pologne, de Pilsudski et des colonels. Hein. Une Pologne en partie responsable quand même de la Seconde Guerre mondiale, hein, de par son rapprochement dès 1934 avec l'Allemagne hitlérienne et de par son refus de laisser passer son territoire à l'armée rouge en cas d'agression de la Tchécoslovaquie. Donc, elle porte quand même une responsabilité, pas entière évidemment, dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous, au niveau de l'Association des Amis d'Édouard Guirec, on a pris des initiatives hein, à trois reprises pour dénoncer la décommunisation à travers des pétitions et des appels qu'on a envoyé aux autorités polonaises. Et le dernier appel, c'est un appel qu'on appelle l'appel des 100, parce qu'il a été signé par une centaine de militants qui dénoncent la poursuite de la destruction des monuments à la gloire des soldats de l'armée rouge. Il y a quand même 600 000, on rappelle dans ce texte, que 600 000 soldats de l'armée rouge sont morts pour la libération de la Pologne. Et que c'est un véritable scandale, cette attaque mémorielle. Ça rejoint la politique de décommunisation, d'effacer de l'espace public toute trace du mouvement progressiste. Parallèlement, on a aussi manifesté, alors on était ensemble, hein, sa solidarité avec le Parti communiste, le KPP, le Parti communiste de Pologne, dont on a fait venir des représentants ici dans la bassin minier pour s'expliquer sur la situation. Mais là encore, parfois on contacte des élus, des maires, etc. Là encore, c'est le deux poids deux mesures, quoi. Quand un militant capitaliste peut être incarcéré dans un pays progressiste, c'est la levée de bouclier. Et quand des militants communistes sont pourchassés, que ce soit en Pologne ou en Ukraine, eh ben bien peu de voix s'élèvent ici en France pour dénoncer ces comportements. Alors les voix qui s'élèvent, ça part du Parti communiste jusqu'à l'extrême gauche, mais le Parti socialiste, les Verts, de plus en plus va-t-en guerre, la droite, sur ces sujets-là, on les entend pas. Donc il n'y a aucune solidarité qui se manifeste avec les militants communistes aujourd'hui et c'est un véritable scandale. Et quant à la destruction des monuments de l'armée rouge, on n'a pas beaucoup non plus de réactions. Alors à chaque fois on contacte les autorités. Par exemple, lorsqu'on a, par rapport à la décommunisation, on a la ville de Grenay qui est près de Lens, hein, dans le bassin minier, a inauguré un rond-point Édouard Guirec pour dénoncer donc la débaptisation du rond-point Guirec à Sosnowiec. Le maire communiste Christian Champiré a baptisé un rond-point
au nom d'Édouard Guirec, l'ambassade de Pologne a été invitée, eh ben, non seulement elle n'est pas venue, mais elle n'a même pas daigné s'excuser. Ils auraient pu inventer un prétexte pour ne pas venir, mais là, même pas. Donc, il y a vraiment un mépris par rapport à ça, et ça, c'est tout à fait scandaleux. Attendez, je... vous savez que moi aussi, j'étais obligé de répression en Pologne. J'ai vu ça, on avait, par le canal du pôle de Renaissance communiste, et puis par ouais, on avait eu connaissance. La première fois, j'étais persécuté en 2010, et j'étais première, mais avant les partis communistes polonais. Et après, comme j'ai parti en France, ils me laissaient tranquille. Mais comme je suis arrivé en vacances en 2021, les services, la police politique, la polonaise KGB, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 5 mecs m'a arrêté comme j'étais chez ma mère, franchement, et il m'a accusé de deux trucs. Première, que je propage les sociétés totalitaires communistes, blablabla. Et d'autres que je voudrais, j'ai chanté les chansons aussi qui étaient un peu drôles, antifascistes chansons. Mais à décembre maintenant, décembre, après un an et demi, j'ai reçu les lettres que maintenant on a vérifié que vous avez fait votre activité en France. Et en France, c'est légal, comme ça, on vous laisse tranquille. Et moi, je savais ça depuis le début, que ça, si je suis en France, laissez-moi tranquille. Mais ça, c'était la rigolade avant. Tout ce truc contre KPP, et contre moi et contre d'autres, c'était la rigolade. Maintenant, après le commencement de la guerre, la rigolade, c'est fini. Maintenant, je peux dire que la Pologne, c'est un pays autoritaire ou totalitaire. Il accuse les gens que vous êtes les agents de Russie. Et avec ça, ça finit. Vous n'avez même pas les droits pour les procès. Ils vous arrêtent. Il y avait le Mateusz Piskorski qui était 3 ans dans les prisons, mais en état d'arrestation. En état d'arrestation, vous ne pouvez rien faire parce que tous les 3 mois, le procureur dit, bon, encore 3 mois. Et vous ne savez même pas comment ça se finit. C'est vraiment très, très... C'est comme les emprisonnements administratifs en Israël, sans procès, on peut faire un parallèle avec ça. Et aussi, toutes les trucs, comme il y avait les manifestations devant les ambassades polonaises, c'était les moments comme la russophobie en Pologne, c'était quelque chose de choquant. Maintenant, il n'y a plus choquant. Maintenant, toute l'Union européenne est russophobique. Cette mauvaise truc qui était en Pologne et en pays baltique, maintenant contaminait les sociétés, toute l'Union européenne, avec les liquidations des livres de Dostoïevski. Il y a aussi les trucs bons, parce que parfois, il y a les bibliothèques où ils ont détruit les livres sur Solzhenitsyn. Ça, je suis content. Et la Pologne est un pays de l'Union européenne censé porter les valeurs de liberté, de droits de l'homme, etc. Bon, alors là, c'est vraiment la preuve que non. D'ailleurs, ça rejoint aussi l'intervention de l'Union européenne dans la guerre ukrainienne, quoi. C'est un véritable scandale. Oui, mais moi, j'ai vécu les démonstrations des Gilets jaunes à Paris, la brutalité des polices françaises, comme ça, il n'y a personne qui peut me dire les mots sur la liberté, liberté de parole, la démocratie en Union européenne. Il y avait les terreurs contre les gens, on s'en fout. Si on écoute les médias occidentaux,
Le problème, c'est que dans la Russie, Biélorussie, Iran, la Chine, mais en Union européenne, non, 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 il n'y a aucun problème, tout va bien. Tout à fait. Enfin, je voudrais poser une question sur l'expansion de l'OTAN vers l'Est qui a conduit au déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette guerre a commencé avec la persécution de la population russophone d'Ukraine par la junte de Kiev qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2014. Du point de vue d'une descendante de la minorité polonaise en France, comment évaluez-vous la politique chauvin du gouvernement de Kiev envers la langue russe, la culture russe et la religion orthodoxe? Je suis particulièrement choqué. Je rappelle souvent, encore il y a deux jours à l'université de Lens, où j'assistais à une conférence d'un reporter photographe français, mais d'origine ukrainienne, qui évoquait le début de la guerre février 2022. Je lui ai rappelé que la guerre a commencé en 2014 avec le bombardement des populations civiles et russophones des républiques de Lugansk et de Donetsk, bombardement par l'armée ukrainienne aidée de ses alliés nazis, des bataillons nazis, Azov, etc. Il fallait le rappeler. Il fallait rappeler aussi, comme vous dites, le coup d'État. Il parlait de révolution du Maïdan. Je dis, c'est pas la révolution du Maïdan, c'est le coup d'État du Maïdan qui s'est soldé par une politique discriminatoire à l'endroit des populations russophones. Ce qui a expliqué aussi la volonté des Criméens, la volonté des populations du Donbass de se détacher tout à fait légitimement de l'Ukraine. Ce que je regrette ici, moi, c'est le matraquage médiatique qu'on a ici sur les plateaux de télévision françaises. On n'a jamais de débat contradictoire. Les personnes qui mettent en doute la bonne foi du régime de Kiev ne sont jamais invitées sur les plateaux ou très rarement sur les plateaux de télévision. Donc, on a une vision vraiment manichéenne, unilatérale de ce conflit en Ukraine, dont j'estime la responsabilité incombe aux États-Unis et à l'OTAN, l'OTAN qui n'a absolument rien à faire en Europe, et les États-Unis encore moins, comme on disait le slogan dans les années 70 ou du temps de la guerre du Vietnam, « Yankee go home ». Les États-Unis n'ont rien à faire ici, et c'est eux qui mettent le feu aux poudres, quelque part. Et donc, je voudrais rappeler aussi que Poutine a refusé depuis 2014 de reconnaître les républiques de Donetsk et de Lugansk, alors que le Parti communiste de la Fédération de Russie poussait à cette reconnaissance. Donc il a été extrêmement prudent, et c'est devant la menace d'une invasion en décembre 2021 de ces territoires par le régime ukrainien aidé par l'OTAN qu'il s'est décidé à intervenir. C'est pour ça que moi je préfère le terme de contre-offensive russe dans le Donbass. Après, maintenant, nous avons créé un comité de la paix ici dans mon secteur, dans le but que cette guerre cesse, que cessent les livraisons d'armes de la France à l'Ukraine, et que cesse cette escalade meurtrière, parce qu'on a bien conscience que les États-Unis se servent de la population ukrainienne, de ses soldats ukrainiens, comme de la chair à canon, et qui s'apprêtent à reconstruire avec leur société multinationale le pays qui va leur être laissé sur un plateau par Zelensky. On rappelle aussi que Zelensky a interdit le Parti communiste ukrainien, il a interdit au mois de mars dernier une douzaine de partis d'opposition, il a aboli le droit du travail dans les entreprises de moins de 200 salariés. En plus, c'est un oligarque qui est pris dans les Panama Papers, là, la corruption. Donc, je comprends pas qu'on puisse faire de ce type qui réhabilite aussi Bandera, parce qu'il y a eu des manifestations à Kiev à l'occasion de l'anniversaire de cette crapule nazie Bandera, le 1er janvier. Je comprends pas que en Europe, en France notamment, mon pays, on en fait une icône des libertés.
Votre réponse me plaît beaucoup. Mais comment vous pouvez expliquer le phénomène qu'il y a les gens de gauche en France aussi, par exemple, il y a les partis trotskistes NPA, et qui fait la propagande pour envoyer les armes pour Zelensky et beaucoup de gauches européennes supportent l'expansion de l'OTAN en Ukraine. Même la CGT, hein, quand moi je lis la Confédération générale du travail qui est quand même en pointe dans le combat contre la réforme des retraites, quand je lis les communiqués qu'elle fait sur la Russie, moi je suis membre de la CGT, je suis scandalisé. Ben, la gauche, alors une partie de la gauche, hein, par exemple le NPA est favorable, la lutte ouvrière n'est pas sur le même positionnement, hein, dans le camp trotskiste, je veux dire. Ensuite, la social-démocratie, bon, qui se prétend de gauche, bon, mais lorsqu'elle est au pouvoir, elle applique une politique de droite, c'est ça son problème. La social-démocratie a déjà trahi. Ça me rappelle beaucoup ce conflit, la Première Guerre mondiale, lorsqu'il y avait la Première Internationale et les ouvriers étaient censés s'unir pour empêcher la déflagration mondiale. Et à défaut de s'unir, la social-démocratie a trahi ses engagements internationalistes. Et on a choisi comment on appelle ça, le repli nationaliste. Et donc la social-démocratie ici fait exactement la même chose qu'ont fait les ancêtres en 1914, quoi. Donc il y avait vraiment en 1914, il y avait vraiment c'était le courant communiste qui allait donner Liebknecht ou Luxembourg en Allemagne ou Lénine évidemment en Russie qui allait porter cet idéal de internationaliste. Je crois qu'il, pour les trotskistes, il y a peut-être un manque aussi d'analyse de classe. Ils pêchent par un manque d'analyse marxiste. Évidemment, on n'a jamais dit que Poutine était peut-être un grand démocrate. Poutine, c'est aussi au service des capitalistes russes. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'importe aussi en tant que communiste, c'est d'essayer de comprendre le positionnement des communistes russes sur sur le sujet. Et les communistes russes, tout au moins le KPRF, hein, le parti, peut-être parti aujourd'hui le principal, soutient la contre-offensive russe en Ukraine. Mais il est temps que cette guerre cesse, et il est temps que la France cesse de livrer des armes au régime corrompu de Zelensky. Je voudrais dire que bien sûr, vous avez raison qu'à 1914, la social-démocratie a trahi et supporté l'impérialisme, mais je me souviens que ça fait 20 ans, on a maintenant les anniversaires d'agressions contre l'Irak. En Europe, en France, en Pologne, il y avait énormes démonstrations contre la guerre en Irak. Et aussi, dans cette manifestation, participaient les social-démocrates en Pologne. On avait la Pologne, c'est un pays où les gens très peu sortent sur la rue pour manifestation. C'est vraiment rare et les mobilisations sont vraiment faibles, mais quand même, on avait les grandes démonstrations contre la guerre en Irak. Et les trucs qui me choquent maintenant, c'est que c'est les mêmes gens qui protestaient contre la guerre en Irak, maintenant, il supporte envoie les armes en Ukraine. Et aussi, je peux vous il y a une schizophrénie dans les gauches polonaises. Par exemple, il y a une députée qui s'appelle Konieczny. Il est député de petite partie Razem, Ensemble. C'est le parti de la gauche parlementaire. Et lui, dans le même moment, il était très actif devant les ambassades de Biélorussie pour supporter les coups d'État qui étaient organisés là-bas en août 2020.
Elle disait qu'il a répété toute cette propagande impérialiste contre la Biélorussie, mais il était invité en Bolivie. Il était invité en Bolivie pour participer en élection en Bolivie comme observateur. En Bolivie, il a fait il était interviewé. Et en Bolivie, il a dit, ah, ici, impérialiste, il a organisé coupe d'État. Impérialiste, ils font très mauvais boulot en Amérique latine. Moi, je suis contre-impérialiste américain. Et vous voyez toute cette hypocrisie. En Bolivie, il a parti en Bolivie et il a vu les millions de gens avec les drapeaux rouges supporter des mouvements pour le socialisme en Bolivie. Et là-bas, il était anti-impérialiste et il a retourné à Varsovie et il supporte les coupes d'État impérialistes en Biélorussie et tout ça. C'est vraiment, je comprends pas. C'est aussi, j'ai remarqué la solidarité à géométrie variable. On a vu ici dans nos communes, alors je ne sais pas si dans la région parisienne ou en Normandie c'est le cas, mais ici des maires ont déployé en février 2022 le drapeau ukrainien sur le fronton des mairies. Oui, c'est toujours ici. Quand je leur dis pourquoi vous ne l'avez pas fait en solidarité avec le peuple ukrainien du Donbass bombardé, il y a quand même eu 14 à 15 000 morts entre 2014 et 2022, pourquoi vous n'avez pas manifesté votre solidarité? Pourquoi vous n'avez pas mis des drapeaux, alors soit ukrainiens, soit des drapeaux soviétiques ou des drapeaux du Donbass, en solidarité? Pourquoi vous ne manifestez pas votre solidarité avec le peuple palestinien ou avec les Yéménites bombardés par l'Arabie saoudite? Eh bien, on n'a pas de réponse. Quand on nous répond, c'est pour dire, on ne savait pas. Vous ne saviez pas que des syndicalistes ont été brûlés vifs à Odessa le 1er mai 2014, vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que l'Ukraine, il y a des bataillons nazis qui ont réhabilité Bandera, ça vous ne savez pas. Donc, il y a quand même ici le matraquage médiatique auquel il faut faire face. Nous, on a créé un comité de la paix, on est une fois un journal sur deux nous censure, ne va pas passer l'information. Voilà ce qu'est encore la France soi-disant démocratique. Pays des droits de l'homme qui donne des leçons à la terre entière. Voilà où on en est, voilà la réalité. Mais donc il faut continuer à se mobiliser et faire le lien entre la bataille des retraites et la nécessité de lutter contre l'escalade militaire. Je voudrais rappeler quand même que la loi de programmation militaire en France, donc ça va de 2024 à 2030, le gouvernement a prévu 400 milliards d'euros. Alors qu'il y a soi-disant un petit déficit pour la retraite, peut-être en 2030, et là, il y a 400 milliards qu'on peut mettre. Donc, c'est des chars AMX qu'on donne à l'Ukraine, etc. Donc, à un moment, il y a quand même, faut que les gens se réveillent, quoi. Mais dans les discussions que j'ai avec la personne lambda ou dans un comptoir de café ou dans la rue, Poutine, c'est un méchant et il a envahi l'Ukraine et Zelensky, c'est le grand défenseur des libertés. Donc ça, on se mobilise avec les moyens du bord. Mais surtout maintenant, comme ils disent, il faut faire la réforme retraite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et dans le même moment, on envoie les armes pour l'Ukraine. S'il n'y a pas d'argent, arrêtez d'envoyer les armes. C'est logique. Tout à fait. Mais le truc que vous avez dit sur Odessa, une chose qui m'a choqué, que j'étais la dernière fois comme j'étais en Pologne, c'était en septembre maintenant 22 et je parlais et moi j'étais pas cette fois-ci j'étais pas en vacances en Pologne parce que avec toute cette atmosphère et les familles ne supportent pas mes positions politiques mais quand même je devais partir en Pologne pour faire quelques trucs administratifs, comme ça j'ai passé quelques jours en Pologne et je parlais avec la famille de ma femme. Et tout de suite, nous, on est pour aller en Pologne, c'est vraiment
énorme boulot parce que c'est voiture, c'est 12 jours en voiture, on est fatigué, tout ça. Et toujours, comme on est arrivé, on était gentil, c'était gentil, il y avait quelque chose à manger, tout ça. Et il y avait les mon beau-frère là-bas qui attendait, non? Et après 15 minutes, on a commencé à parler sur la guerre en Ukraine. Déjà, je suis venu, et salut, ils nous donnent quelque chose à manger. Et après quelques minutes, ça a commencé la discussion en Ukraine. Ma femme a prévenu, ne parlez pas de l'Ukraine. Et c'est pas moi qui commençais, c'est eux qui ont commencé. Et tout de suite, la discussion, ça commençait à être très, très, très tendue. Et je parlais sur cet événement à Odessa, à 2 mai 2014. Et ils ont dit que c'est pas vrai. Non, c'est la propagande poutiniste, que moi, je n'ai pas le cerveau, c'est la propagande poutiniste, et je ne comprends pas. Et ce n'était pas... Il n'a jamais entendu de ça. C'est la première fois que moi, je dis cette histoire. Ça montre comment cette propagande en Pologne est forte et c'est dégueulasse. Il y a un mouvement anti-guerre un peu en Pologne, ça commence à bouger ou c'est compliqué? Je peux dire que sur mon d'autres chaînes YouTube, parce que moi je fais deux chaînes YouTube, cette chaîne en langue polonaise, j'essaie depuis le premier jour d'organiser quelque chose. Et dans mon chaîne, je pense que c'est l'unique médium en langue polonaise où j'invite tous les gens qui organisent quelque chose. Parce que cette média qui sont en Pologne, ils invitent un mec, mais d'autres, ils n'aiment pas. Il y a le sectarisme. Moi, j'invite tout. La plus fort mouvement contre la guerre, c'est le mouvement organisé par les extrêmes, on peut dire, les nationalistes anti-américaines. Et ça s'appelle Kamraci. Et comme vous avez parlé sur Tomasz Olszański, c'est drôle parce que les dirigeants de ce mouvement, ils s'appellent Wojciech Olszański. Ça, je ne pense pas est-ce que c'est la famille ou pas, mais maintenant, lui il est en prison, c'est Wojciech Olszański, et ils sont organisés à 19 janvier les démonstrations à Varsovie contre la guerre, contre l'OTAN, et ça fait une semaine à samedi 11 mars à Bydgoszcz, il y avait les démonstrations 500 gens contre l'OTAN parce que c'était l'anniversaire de comme Pologne a devenu les membres de l'OTAN. Et c'est la seule force qui est capable d'organiser les démonstrations sur la rue. Et massive, ces démonstrations à Varsovie, c'était quand même 2 000-3 000 de gens. C'est petit, mais quand même, ça, c'est quelque chose. Sinon, il y a d'autres initiatives intellectuelles. Par exemple, à 7 mars, il y avait le congrès de la paix organisé par professeur Maria Szyszkowska. Monika Karbowska a participé dans cette conférence. Mais c'était la conférence. De toute façon, elle était attaquée. Vous êtes poutiniste, mais elle est professeure et recteur en université. Mais cette conférence, c'était pas sur la guerre en Ukraine, c'était sur la paix, sur le niveau de philosophie. Okay, pourquoi la paix, c'est bon? Mais bien sûr, c'était la possibilité que tous les anti-impérialistes pouvaient venir, se rencontrer, parler. Il y a les initiatives, ça s'appelle Polski Ruch Antywojenny, c'est polonais mouvement anti-guerre.
Cette initiative est organisée par Leszek Sikulski et Sébastien Piton. Leszek Sikulski, c'était notre ennemi, on peut dire. Il était conseiller de président Duda. Il travaillait avec Macierewicz. C'était le politologue extrême droite. Mais il est devenu anti-américain. Il est devenu anti-l'OTAN. Et depuis le commencement de la guerre, il se radicalise et il parle beaucoup de. Et lui, son voix est la plus entendue. Entendu, oui, parce que il était invité dans tous les médias, parce que déjà les Duda, il lui donnait une médaille en 2016 pour quelque chose. Maintenant, lui, il a été objet de persécution, il a été viré dans son université. Aussi il y a les initiatives, on peut dire intellectuelles, avec les hebdomadaires Michel Polska. Dans cet hebdomadaire travaille par exemple Mateusz Piskorski, qui j'ai déjà dit, mentionné, ce mec qui 3 ans était en arrestation. Et c'est la seule, pas celle, mais une de celles endroits où il y a l'analyse. Avant, ce journal, c'était le journal nationaliste, mais pas nationaliste primitif, ce sont les nationalistes qui supportaient les Pologne socialistes. C'est la tradition de cette nationaliste qui, après la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu le membre des partis communistes. Ils font vraiment un très bon boulot sur le niveau de guerre informatique information. Il y avait les endroits où il y avait d'autres informations qui étaient dans les médias officiels. Ils organisent les conférences par Internet anti-guerre, mais c'est les mouvements intellectuels. Ils font rien. Mais faut dire que les premiers 3-4 mois, il n'y avait rien. La première chose qui était. La première chose, c'était les célébrations de la massacre de Vouin. C'était juillet, 11 juillet. Maintenant, à 11 juillet, on va avoir les 80 anniversaires de massacre de Vouin. Et c'était la première chose que les gens commençaient être contre Zelensky et toute cette propagande. Après, on avait cette histoire avec Przewodów, que les missiles balistiques ukrainiens a tué 2 Polonais. Et Zelensky ne voulait pas excuser pour ça. Et tout le temps, il répète que ce sont les Russes qui sont tués, c'est 2 Polonais. Et aussi les Nord Stream, toute cette histoire avec Nord Stream. Depuis 2-3 mois, la Polonaise a commencé à bouger. Ça, je suis vraiment, vraiment content parce que, en début, moi, je me sentais toute seule. Qu'il n'y a personne. Désolé. Et maintenant, ça progresse. Avec chaque mois, c'est mieux et mieux. Et aussi, j'ai les contacts avec les gens célèbres dans le monde qui parlent contre la guerre. Hier, avec Bruno Drwenski, on a parlé avec le Scott Ritter, très célèbre américain qui critique la guerre. Avant-hier, je parlais avec Richard Bentley, qui est une citoyenne américaine qui, depuis 9 ans, habite à Donetsk.
Il participait dans les milices de Donetsk République populaire. Il a pendant 2 ou 3 ans, il a lutté là-bas sur le front. J'ai les contacts avec les camarades russes. Ça, comme ça, je peux parler de mon activité. Mon activité est vraiment, vraiment active maintenant, parce que je parle en langue russe, en langue française, en langue polonais, anglais. Je cherche les gens pour organiser les mouvements anti-guerre, anti-l'OTAN. Lorsqu'on voit des banderoles dans les stades de football en Pologne, oui. Dans des images, donc, qui est à l'origine? C'est le groupe nationaliste dont vous parliez tout à l'heure ou pas forcément? C'était à Śląsk Wrocław, c'était les banderoles Tonie Nasza Wojna. Oui, à Wrocław, c'était à Wrocław? Oui, c'est à Wrocław. Et Wrocław, c'est une des villes avec la grande. Où est beaucoup d'Ukrainiens, où il y a 30% des populations, ce sont les Ukrainiens. Et depuis quelques mois, ça a commencé les tensions entre les Ukrainiens et la Polonais. Il y avait ça fait 3 ou 4 semaines, il y avait les démonstrations ukrainiennes dans les centres commerciaux. Il y avait les 60 ou 70 mecs qui sont entrés là-bas comme les armées. Ils marchaient 4-4-4. Et ils marchaient et chantaient les chansons banderistes. Ils sont fait filmer. Il a dit que Wrocław maintenant c'est notre ville et tout ça. Et c'était quelque chose qui a révolté les extrêmes droites polonaises. Non, bon, c'est fini ça. Et maintenant ça, moi j'aime pas les hooligans de parce que normalement ce sont les idées là-bas, ce sont les idées d'extrême droite ou fascistes, mais ce sont les premières qui sont révoltées contre cette banderisation de la Pologne, parce que maintenant on a les, je peux vous montrer quelque chose. Ça c'était j'ai préparé ça pour hier pour les Scott Ritter. Vous voyez, vous connaissez cette mec? Non, ça me dit rien. Oui, c'est ministre Błaszczak, Mariusz Błaszczak. Il est ministre de la Défense, mais on peut dire que c'est le ministre de la Guerre en Pologne. Et à droite, c'est la première ministre Morawiecki. Ici, comme vous voyez, il était en Ukraine. Il était en Ukraine. Et ici, il y a les drapeaux rouge et noir, les drapeaux UPA. Les drapeaux de banderistes qui sont tués les 100 000 Polonais pendant le massacre de Wołyń. Et lui, il est à genoux devant les drapeaux nazis, les drapeaux ukrainiens nazis. Et voilà, et en Pologne, on peut trouver beaucoup de... Ah, ça, ce sont les fortifications. Ce sont les fortifications contre les armes russes, vous voyez. C'est vraiment drôle. Bon, la Pologne, dans notre loi, en 2016, était votée les lois contre Bandera. C'est si sur la rue en Pologne, dans les espaces publics, vous disiez que Bandera c'était bon mec, et vous pouvez aller en prison. Mais maintenant, il y a milliers de gens en Pologne qui marchent avec les tatouages avec Bandera, avec les autres trucs, avec les drapeaux rouge et noir, drapeau ou pas.
Et il n'y a personne qui a fait quelque chose. Et ils chantent les chansons Červona Kalena. Červona Kalena, c'était les chansons de Upa. Et ils chantent ça sur la rue, sur la, dans les églises, dans les télés polonaises. Et aussi, par exemple, il y a une groupe musique très célèbre en Pologne. Et cette groupe musique, ça s'appelle Enei. Enei, c'est le groupe qui était créé par les Ukrainiens en Pologne. C'est les chansons pour le. Mais c'est qui était cet Enei? Enei, c'était les gars qui étaient en UPA et il a tué beaucoup de Polonais pendant ce massacre. Et ils ont pris les noms de Enei Oui. Franchement, pendant la dernière fête de Sylvester, Saint-Sylvestre, il fête un nouvel année, cette groupe Enei a chanté pour la Polonais. On voit la banderisation de notre pays. C'est dégueulasse. Bon, faut finir parce que c'est déjà. Est-ce que vous pouvez dire tous les trucs, comment les gens on peut collaborer avec votre société amicale, avec Edward Gierek, et aussi comment on peut collaborer avec l'association de paix? C'est maintenant les trucs pratiques. Voilà. Donc en fait, c'est peut-être un mail que je peux remettre. Ah, un mail. Oui, mais vous avez le site internet ou Non, on n'a pas de site internet. On a pour le comité de la paix, on a une page Facebook. Oui, d'accord. C'est donc le comité de la paix du Bruésie et du Béthunois. Ça, vous m'envoyez tous les liens dans la description. Tout à fait. Et je vous envoie aussi le mail de l'association. On n'a pas de Facebook, pas de site pour les associations des amis d'Edouard Guirec. On a simplement un mail qui nous permet de correspondre. Et je vous enverrai peut-être aussi les références des deux ouvrages pour ceux qui s'intéressent à la lutte contre la décommunisation est menée en France et aussi sur le sort des rapatriés volontaires de la Seconde Guerre mondiale. Je vous donnerai aussi les deux références et la façon de se les procurer. En tout cas, merci beaucoup pour l'attention portée au sujet, parce que ici, en France même, on est aussi censuré par la frange un peu catholique de l'immigration, de ce qui reste de la communauté franco-polonaise. Hein. On est rarement invité à leur cérémonie, à leur fête. Oui, faut maintenant. Moi, j'ai pas les contacts avec les Polonais parce que avant, comme on est arrivé en France, on a cherché les contacts avec les Polonais, mais c'est toujours fini la même truc. On commence par la politique et les contacts se finissent. Mais maintenant, je cherche les contacts parce que avec cette guerre en Ukraine, j'ai trouvé les Polonais qui sont d'accord avec moi qu'on est contre la guerre. Ils sont pas communistes, mais je pense qu'il faut aussi organiser parce que cette voix de émigration polonaise peut être entendue en Pologne, et ça c'est quelque chose qu'il faut utiliser, même si ça c'est 30, 40 ou 50 gens. Si on va faire les petites manifestations avec les drapeaux polonais et on va dire on est contre la guerre, ou on peut inviter quelqu'un, les gens contre la guerre de France ou d'autres pays. Faut vraiment se mobiliser, parce qu'on ne veut pas que la Pologne va être d'autres pays où est la guerre, et aussi on ne veut pas les guerres nucléaires et la fin de l'humanité. Tout à fait, tout à fait. Et nous également, on est dans une logique, nous sommes dans une logique transpartisane, c'est-à-dire dans le comité de la paix, il n'y a pas que des communistes, il y a aussi des gens de la France insoumise, de la CGT, des non politisés, voilà. Donc il y a toujours cette volonté de travailler ensemble pour faire avancer ces idées. Bon, on est en contact. Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci aussi pour votre temps. On est en contact. C'était la première conversation, mais j'espère que pas dernière. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation et on fera connaître votre...